Tu sais comment on a inventé le tiramisu? Dans un bar pas très loin de la Révolution, en France. Absolument pas en Italie, ça c'est une grosse bêtise, ça a été volé. De toute façon, les Italiens c'est des voleurs. Comme les pâtes, ils les ont volées aux Chinois, c'est pareil, là ils nous l'ont volé à nous. C'est très simple. René et Dédé. Deux gars sympathiques dans un bar, à Paris. Pas très loin de la Révolution, mais eux ils étaient pas trop dans les affaires. Ils ont pas voulu se mouiller, ils étaient là, oh non, non, on va rester tranquillement, chez nous. On va pas commencer à sortir, on préfère se boire un petit pastaga tranquillement à une terrasse de café. Bon, chacun ses affaires. Il y en a un, il arrive comme ça un jour, il lui dit, j'ai fait une découverte. Il a fait une découverte. L'autre, il lui dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Dédé, qu'est-ce que tu racontes? Il lui fait, attends René, tu te calmes tout de suite. Déjà, tu redescends de 3 étages, on va se faire des couillasses en or. Mais massif, hein, du 24 carats. Bon, je vais te montrer un truc. Sors-moi une tasse de café. On est dans un bar, y'a pas de soucis. Pshht, allez hop, tac, un petit expresso. Sors-moi du mascarpone. Là, le truc des Rital, truc des Italiens. Ouais, sors-moi du mascarpone. Mais j'en ai pas. Bon, il va au petit casino. Il prend le petit caddie, comme ça. Et dehors, ça pète, hein. Pas. Ah, tuez-le et coupez-lui la tête. Ah, c'est une folie. Ah, non. Il met le mascarpone dans le caddie. Il continue. Ok, l'heure est-il, c'est bon, il est pas trop tard. Pas de couvre-feu. Il y avait pas ça à l'époque, hein. Il sort, il paye. Il retourne dans le bar de René. Tranquillement. Il lui dit, voilà. Du mascarpone. Bon, sors-moi des boudoirs là, les biscuits à la cuillère, qui viennent bien de chez nous, ça. L'autre, il lui dit, mais... Dédé, mais t'es sérieux, là? On est dans un bar, ici, là, pas dans un super U. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des boudoirs? Bon. Rebelote, il retourne chercher des boudoirs. Et là, il pose boudoir, café, mascarpone sur la table et il lui fait, regarde, c'est très bizarre. L'autre, là, au comptoir, il lui fait, bah oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec du fromage, un café et des gâteaux? Du fromage, un café et des gâteaux. Il y a un truc qui va pas, déjà. Il prend les gâteaux. Il commence à les tremper dans le café. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'es pris pour un English? Non, t'inquiète. Il trempe dans le café. Hop, il les étale comme ça dans un petit plat. Hop, ensuite, il verse encore un peu de café comme ça. Il prend le mascarpone. Il commence à le... Il te sort de la crème, des machins et tout, parce que Super U s'est pas fait avoir, il a tout pris. Hein. Parce que l'autre, il avait rien dans son bar, hein. Il avait pas un caillou, donc ça sert à rien. On va y passer la journée, je vais pas faire 35 allers-retours dans le magasin, sinon on n'est pas sorti. Hein. Bon, il mélange tous les ingrédients comme ça, tac 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 tac. Il dit, j'ai fait un rêve, I have a dream, comme ça, il était là comme ça. J'ai fait un rêve, un gâteau de fou. Il commence à étaler comme ça, le mascarpone sur les petits boudoirs. Il refait une petite couche, il remet le café, tac 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 tac. Il lui dit, t'as du cacao quand même dans ton bar de merde. Il fait, oui, j'ai du cacao quand même. On fait des chocolats de temps en temps, des petits viennois, des petits machins, on se régale. Il prend le cacao. Il commence à le saupoudrer sur le gâteau. Mais il dit, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es malade. Cacao, ça se mange pas comme ça, faut le mélanger avec du lait. Une connerie. T'inquiète, René. Je m'y connais. Tu parles à Dédé quand même. Dehors, ça pète, nous on fait des gâteaux. Où est le problème? Il prend le gâteau comme ça. Il te le fout dans un frigo. Il attend comme ça. Quelques petites heures, il ressort le machin, il lui coupe une petite tranche, il fait arrête, c'est dégueulasse, ça va avoir le goût d'une belle grosse chiasse ton truc. Tu mélanges du fromage dégueulasse d'italien, alors que le fromage c'est quand même de chez nous à la base. Attends, c'est Rital avec leur merde, c'est de la crème, c'est pas du fromage. Justement, c'est là René où tu fais l'erreur, c'est bien parce que ça fait une crème que ça va être bon. L'autre il fait bon, donne-moi une cuillère. Putain de sa race, il sort un putain de sa race comme ça. L'autre, il lui dit, tu vois? Voilà. Sauf que ce qu'il savait pas, c'est qu'en fond de terrasse, derrière, il y avait un gars avec des lunettes, un Rital, qui avait vu le mascarpone. Il a couru dans sa bagnole. Sa bagnole de l'époque, avec des roues, bon, en bois. Il a refoncé jusqu'en Italie. Il a fait, oh mamma, capire ristretto della culata, la calzone. Bon, bref, il a raconté des conneries en italien. Un mois plus tard, dans les journaux italiens, Pepperoni Magazine, tout ça, la une, le nouveau gâteau italien, le tiramisu. Parce qu'il avait pas le nom, Dédé, quand il a fait le gâteau. Il avait pas le nom, il avait juste eu une idée, comme ça, dans un rêve un peu fou, en pleine révolution française.
Les Italiens, eux, il n'y avait pas de révolution en ce moment chez eux, ils étaient tranquilles. Il est retourné chez lui à fond. En fond de cinquième. Je peux te dire que sur l'autoroute, il s'est pris quelques PV, mais c'est pas grave. Hein. Écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Juste qu'ils ont sorti après. Ils déposent le brevet. Tiramisu. Tiramisu qui veut dire je l'ai volé au français, quoi. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Et là, René et Dédé. Ils voient dans Le Monde, journal français. Les Rital, nouveau gâteau. Tiramisu. Tiramisu, qu'est-ce que c'est que cette merde? Il ouvre le journal. Il voit les ingrédients. Mais il pète un câble. Son petit gâteau. Parisien. Avec des ingrédients un peu chelous qu'il a trouvé un peu n'importe où dans le Super U et dans le bar de René. T'en rends compte? Le bar de René. Enfin bref, ça l'affaire.